Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vers la première fonction concernant les élèves de PC, les élèves de technique et section technique et les élèves de SVT. Ici, il n'y a pas d'élèves sciences maths. J'ai déjà donné, on a déjà fait la vidéo numéro 23. On avait divisé en deux parties, partie A et partie B, parce qu'elle était très très longue, c'était un petit peu difficile. Mais ça, c'était justement, elle était faite pour les élèves de terminale sciences maths et les élèves de terminale qui ont fait 6e sciences maths, c'est-à-dire avec un niveau un petit peu élevé. D'accord? Mais maintenant, je vais travailler à un niveau moyen, c'est-à-dire presque à la portée de tout le monde. Je vais seulement de bien lire le cours et comme ça, on pourra faire facilement cette fonction. Alors, je commence. Vous avez une fonction f définie par. Alors, vous avez x sur racine d'x moins 1. Alors, première question, ils ont demandé de déterminer le domaine de définition. Vous remarquez que la fonction, je vais parler d'une manière pas rapide, doucement. Je vais donner trop d'explications parce que pour cette fonction, je sais parce que je sais que maintenant je travaille avec des élèves qui ont un niveau moyen. Donc, je vais à ralentir un petit peu, donner trop de détails, surtout concernant le cours. Alors, vous avez une fonction, vous avez un dénominateur, vous avez une racine aussi. Donc, le domaine de définition T de F, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que. Vous avez deux conditions. La première, c'est que vous avez une racine. Quand on a une racine, il faut que la partie qui suit le radical supérieure à 0. Ça, concernant la racine. Et une condition concernant le dénominateur. Vous avez un dénominateur est toujours différent de 0, donc vous devez avoir racine de x moins 1 différent de 0. Voilà. Alors ça, c'est ce qui concerne le domaine de définition. Ça y est? Alors, je continue. Et égal, x appartenant à tel que vous devez avoir x supérieur ou égal à 0 et racine de x différent de 1. Je continue. C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x positif et x différent de 1. Parce que si racine de x est différent de 1, donc x différent de 1. Ça y est? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Quand dans un domaine de définition, vous avez le mot et. Le mot et, c'est-à-dire qu'il faut tracer R et assurer les deux parties. La première nous dit que x doit être supérieur à 0. Voilà. Tout ce qui est positif. Ça y est? La deuxième condition me dit que x doit être différent de 1. Donc la partie soulignée en rouge, je dois enlever le 1. Alors qu'est-ce qui va rester pour le domaine? Donc, les deux f, on va avoir, excusez-moi de bien écouter comme ça, on n'aura pas de problème. Alors, le domaine commence de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à 1. Un non compris, parce que x est différent de 1. Union et on reprend. Donc, de 1 jusqu'à 2. Et voilà le domaine de définition. Voilà, ça y est. Alors, une petite chose. Ça, concernant le domaine de définition, une petite chose. Chaque fois, quand vous avez une racine, on cherche toujours où cette racine s'annule. Là où la racine s'annule, il faut étudier la dérivabilité. Donc, je répète, pour la racine, celle-ci, vous avez x doit être supérieur à 0, vous êtes d'accord? Mais si vous donnez à x la valeur 0, la racine va s'annuler. Donc on est obligé d'étudier la dérivabilité en x0 est égal à 0. Alors, ils ont demandé de calculer les limites au bord de TGF, après étudier la dérivabilité en 0. Voilà. Vous avez vu? Voilà la question. Alors, on va passer d'abord à la deuxième question. Maintenant, c'est quoi les limites au bord? Les limites aux bornes ouvertes. Je répète, les bornes ouvertes, pas les bornes fermées. Alors, vous remarquez que 0 est une borne fermée, donc on ne va pas calculer aux bornes fermées. Seulement aux bornes ouvertes, donc vous avez moins 1, moins 1, plus et plus infini. Donc vous avez trois limites à calculer. Vous avez une limite en 1, moins 1, plus et plus infini. Ça y est? Alors, je vais commencer à calculer maintenant les limites. Alors, je commence par 1, moins. Alors, limite. Limite. Au bord de D2F. Voilà, donc on a trois limites. Alors, on a une limite quand x tend vers 1 négatif de f de x
est égal à limite quand x tend vers un négatif, remplacer la fonction f par son expression racine de x moins 1 et calculer, remplacer. Vous allez avoir ici 1, ici vous allez avoir 1 moins 1, je vais remplacer ici. Alors, je vais mettre entre parenthèses, on donne 1, ici vous allez avoir 1 moins 1. C'est ça, pour que ça donne combien, ça donne 1 sur 0. Vous êtes d'accord? Voilà, bon. On n'a pas assez de place. Donc attendez. On va avoir 1 sur. Remplacé par 1, ça donne 1 moins 1. Ça donne la forme de 1 sur 0. Mais ce 0, c'est quoi? Point d'interrogation. Aucune idée. Ça y est? Alors, puisque je n'ai aucune idée sur le signe du 0, voilà ce que je vais faire. Je vais multiplier par l'expression conjuguée. Ça y est, vous allez me dire pourquoi l'expression conjuguée. Voilà ce que je vais faire. Regardez. Je vous donne comment j'ai fait. J'ai remplacé, j'ai trouvé 1 sur 0. Ce 0, est-ce qu'il s'agit d'un 0 positif ou bien un 0 négatif? Aucune idée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire limite. Quand x tend vers 1 négatif, x sur racine de x moins 1. Et je vais multiplier par l'expression conjuguée. Je vais multiplier ici par racine de x plus 1. Et au dénominateur, la même chose. Alors, je prolonge le trait. Vous allez avoir x plus 1. Et voilà. Clair? Je continue. Alors, vous allez avoir limite. Quand x tend vers un négatif, vous allez me dire pourquoi tout ça. Vous allez voir. Ici, on va avoir racine de x plus 1. Au dénominateur, c'est une identité. C'est la forme a moins b partant de a plus b. C'est a carré moins b carré. Donc, vous allez avoir racine de x carré. Je ne saute pas d'état. Moins 1 au carré. Ça va? Derrière ligne, vous allez avoir limite. X tend vers un négatif. Je fais ça pour la première étude, mais je ne ferai plus la même méthode la prochaine fois. Je vous donne ça seulement pour vous expliquer tout simplement. Clair? Alors, remplacez par 1, qu'est-ce que vous trouvez? Si on remplace par 1, on trouve ici 1 et 1, ça donne 2. 2 fois 1, ça donne 2 au numérateur et 0 au dénominateur. Je suis toujours bloqué. La même chose, on a trouvé la même forme. Ici, on a trouvé 1 sur 0. Ici, on a trouvé. Non, il se remplaçait par. Ben, c'est par 1. 1 et 1, ça donne 2. Ici, vous avez 0. Donc, ça ne marche pas. Toujours 2, 1 nombre sur 0. 2, 0, quoi? Voilà comment vous allez faire. Vous allez prendre le dénominateur. Maintenant, je vous explique pourquoi j'ai multiplié par l'expression conjuguée. Pour avoir un bilan. De degré 1, c'est d'abord ax plus b. Alors, vous allez après dresser toujours un tableau de signe du dénominateur. Qu'est-ce que vous avez au dénominateur? Vous avez x moins 1. Alors, vous avez x moins 1, je pars, la partie qui va donner le 0, c'est le dénominateur. Le numérateur va donner 2, ici de même. Le numérateur va donner 1 et le dénominateur un 0. Alors, vous prenez le dénominateur. J'aurais pu trouver la limite ici. La prochaine fois, je vais prendre quand j'ai trouvé la fonction, je vais l'utiliser pour déterminer la limite. Mais puisqu'il s'agit de la première fonction, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On prend le dénominateur, le voilà. Ce dénominateur s'annule en 1. Cette limite, on va faire d'une pierre deux coups. Elle va m'aider à trouver la limite en 1 négatif et 1 positif. Les deux limites à la fois. Vous allez me dire pourquoi. Regardez pourquoi. Alors, le fait que j'ai multiplié par l'expression conjuguée, j'ai trouvé un polynôme simple de la forme ax plus b. Il s'annule, un polynôme s'annule en 1. Regardez le signe de a positif. Donc ici, vous avez le signe contraire de a, ici le signe de a. Ce tableau va m'aider à trouver les signes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais laisser ça en rouge et l'autre, je vais le mettre, le troisième, je vais le mettre en vert. Voilà, ça, c'est un vert. Ici le vert à droite et le rouge à gauche. Ça va? Alors regarde, pour la partie à gauche, vous avez un moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la partie à gauche, c'est ça. C'est un négatif, un négatif, un négatif. J'ai trouvé un zéro. Mais regardez le signe que vous avez ici. Vous avez un moins, vous allez le mettre ici. Tout simplement. Voilà. Alors, dans le cours, on a vu, dans le cours des limites, si vous avez un nombre sur zéro, c'est l'infini. Donc le résultat, ça va être l'infini. Maintenant, le signe, est-ce que c'est plus infini ou bien moins infini? Vous avez positif divisé par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif et vous avez un nombre. Voilà. Je répète, un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif, c'est bon.
Donc, si vous avez un option, vous avez la fille. Maintenant, est-ce que c'est plus la fille ou bien moins la fille? Il faut étudier le signe du dénominateur. Pour étudier le signe du dénominateur, il faut dresser le tableau signe. Le tableau signe, c'est pour ça que j'ai multiplié par l'expression conjuguée pour enlever les racines du dénominateur, avoir un polynôme simple. Ça y est, c'est la forme x moins 1 dans cet exercice, qui s'annule en 1. À droite, vous avez le signe contraire de A, et à gauche, plutôt à droite, vous avez le signe de A, c'est plus, et à gauche, vous avez le signe contraire de A. Ça y est, je vais faire la même chose, donc ici, la partie positive, ça y est, je n'ai que des plus. Maintenant, on va passer à la partie verte, la partie droite. La partie droite, elle va me donner la limite à droite de celle-ci. Donc maintenant, j'ai trouvé celle-ci, je vais la mettre en rouge. Regardez, voilà, c'est la rouge. Maintenant, la verte. Alors, je vais écrire tout ce qui concerne la limite. Vous allez calculer la limite. Quand x envers 1, positif, je vais après x avec la couleur verte, un x était à la limite. X envers 1, voilà, positif toujours. Je me suis trompée, attention, ici c'est un négatif. Un négatif. Négatif, regardez, un négatif. Négatif, on a mis en vert. Voilà, négatif, en vert. Vous voyez, correct. Très bien. Maintenant, on va passer à un positif. Alors, un positif, on va le faire en rond, en vert. Vous voyez, je continue mon écriture d'abord. J'en place la fonction. La fonction, c'est x sur racine de x moins 1. Ça va. Je prends la dernière étape où j'ai multiplié par l'expression conjuguée. Même travail, la même chose. Alors, je saute les étapes. Alors, racine de x plus 1 sur dénominateur x moins 1. Ça va? Alors, je mets maintenant en vert. On est passé à 1 positif. Donc, c'est un plus ici, ici, un plus ici, un plus. Et maintenant, on remplace. Alors, si vous remplacez, vous allez trouver remplacé par 1. On remplace par 1. 1 et 1, ça donne 2. Donc, ça donne 2 sur 0. J'ai remplacé par 1. Ça donne 2 sur 0. Regardez la partie verte du tableau. À droite, vous avez un signe positif. Donc, vous avez un signe positif. Ça y est, qu'est-ce qu'on a dit? 1 nombre sur 0, c'est l'infini. Maintenant, est-ce que c'est plus ou moins? Vous avez un nombre positif. Divisé par un nombre positif, ça donne un nombre positif. Donc, c'est plus l'infini. Voilà, j'ai terminé. Ça y est, maintenant, il me reste une seule limite. Laquelle? C'est la partie verte. Maintenant, je vais travailler seulement en bleu. Je vais passer de la limite en plus l'infini. La troisième. Alors, x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite. X tend vers plus l'infini. Vous avez x sur racine de x moins 1. Ça y est. Alors, en général, en terminale, on factorise par le plus haut degré. Ou bien, vous allez prendre cette fonction. Là où j'ai multiplié par l'expression conjuguée, factorisée par le plus haut degré, c'est impliqué. Donc je peux prendre cette écriture, elle est bien faite. Donc vous avez limite. Quand x tend vers plus l'infini, vous prenez la dernière ligne, celle-ci, vous allez avoir x facteur de racine plus 1, le tout sur x moins 1. Alors puisqu'il s'agit de limite en l'infini, je répète, puisqu'il s'agit de limite en plus l'infini, ou bien moins l'infini, la même chose, je factorise par le plus haut degré. Au numérateur, j'ai déjà un x. Il suffit seulement ici de factoriser par x et simplifier. Alors, on va avoir limite. Il faut bien écouter. X tend vers plus l'infini. Je ne vais pas toucher le numérateur. J'ai déjà une factorisation par x. Je vais factoriser seulement le dénominateur. Et x, on va avoir seulement 1. Et le 1, le moins 1, va devenir moins 1 sur x. Parce que j'ai factorisé par x. Après, il va y avoir une simplification. Voilà. Et maintenant, je passe au résultat. En plus l'infini, x tend vers plus l'infini, donc racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus 1, donc plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini. Ce nombre, il va tendre vers 0. Vous avez un nombre sur 0, c'est un nombre sur l'infini, parce que x tend vers l'infini, c'est 0 toujours. Un nombre sur l'infini, c'est toujours 0. Il va rester ici au dénominateur 1. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini qui l'emporte. Et voilà. Donc, vous avez limite.
quand x tend vers plus l'infini, 2 f de x est égal à plus l'infini. Voilà, ça y est. Et voilà, donc écoutez bien, je vous donne presque 50% de ce que je dis, c'est du cours. Faut bien écouter, enregistrer, prenez des notes. Mettez à côté de vous un bloc-notes ou bien un petit cahier, vous allez prendre les notes ou bien les choses que vous risquez d'oublier. Ça y est, je continue. Alors maintenant, voilà, je passe à la troisième question. Ce qu'on a dit tout à l'heure, quand vous avez une racine dans une fonction, là où la racine s'annule, il faut étudier la dérivabilité. Bien sûr, il faut que ce nombre appartienne au domaine de définition. Ça, c'est indiscutable. Ça y est, donc je vais passer à la troisième question. La troisième question, c'est là, qu'est-ce qu'on a dit? Dérivabilité. Alors, dérivabilité à droite. Pourquoi à droite de 0? Parce que le domaine commence de 0 vers plus infini, donc c'est à droite. Clair? Voilà. Alors, c'est quoi la dérivabilité? On va calculer limite. Quand x tend vers 0, ça c'est le cours positif, parce que c'est positif. Vous allez avoir f de x moins f de 0 sur x moins 0. Voilà la dérivabilité. Vous voyez? Alors, quand on vous demande de calculer ou bien de déterminer la dérivabilité, il faut calculer ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Vous voyez? Le taux d'accroissement, c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. On calcule la limite. Ça va? Allez, je continue. J'en place la fonction. Vous allez avoir limite. X envers 0 positif. Le trait de la fraction, ce trait, celui-là. D'accord? Remplacez la fonction, vous allez avoir x sur racine de x moins 1, f de 0, c'est 0, remplacez là-bas, donc ici je vais même écrire, f de 0 est égal à 0. Voilà, ça y est, f de 0 est égal à 0 sur x, ça y est. Alors, la fonction n'est pas bien écrite, ça y est, je vais utiliser les propriétés des fractions. Quelles propriétés? Alors, si vous avez A sur B, le tout sur C. Ceci est égal à A sur B fois C. Et voilà. Donc, je vais utiliser, regardez l'écriture. Regardez, voyez. Vous avez A sur B, le tout sur C. Vous devez faire des entres de B pour dénominer. Ça va? Très bien. Ça va? Alors, voilà. On va utiliser cette formule. Alors, je fais descendre le dénominateur, on va avoir limite, x tend vers 0 négatif, vous allez avoir x, vous allez faire descendre racine de x moins 1 au dénominateur, ici vous allez avoir le x du dénominateur. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a une simplification, c'est bien, une fois qu'on simplifie, on remplace. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver? C'est plus la peine, écoutez, quand on remplace, il faut prendre des notes. Quand on remplace, il ne faut plus écrire limite 5. Alors, remplacer par 0. Vous allez trouver 1 au numérateur parce que ce x a disparu avec celui-là. Qu'est-ce qui va rester? Par exemple, 0 et moins 1. Racine de 0, moins 1. Ça y est. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé limite. Quand x tend vers 0 positif de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 1 sur moins 1. Parce que racine de 0, c'est 0, c'est moins 1. Alors, un conseil. Chaque fois, je dis chaque fois, quand vous calculez la dérivabilité en un point, ça y est, et vous trouvez un nombre, pas l'infini, un nombre, vous n'avez qu'à revoir le cours sur la dérivabilité, ça y est, vous devez écrire à la fin, est-ce qu'il s'agit de f' droite ou bien de f' gauche. Tout le temps. Ça y est, parce qu'après, on va parler de l'interprétation géométrique. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'ici, on travaille au voisinage de... x envers 0 positif, c'est-à-dire la partie droite. Alors, donc, maintenant, regardez. Vous travaillez à droite de 0. Et là, comme on dit à droite. Ça y est, puisque c'est à droite de 0, vous allez écrire f' droite en 0. Chaque fois que vous trouvez un nombre. Si vous avez 0 négatif, vous allez écrire f' gauche.
D'accord? Nous, on travaille, c'est travail à droite de 0, c'est M' droite. Ça y est. Maintenant, ils vont demander c'est quoi l'interprétation géométrique. Il faut revoir la vidéo de la dérivabilité. Ça y est. Alors, interprétation géométrique. Interprétation géométrique ou bien graphique, la même chose. Géométrique. Alors, c'est quoi quand on calcule la dérivabilité, on voit qu'est-ce que ça veut dire. L'interprétation, c'est-à-dire on parle de tangente. Alors, ici, on va écrire, c'est de F, la courbe représentative de F, a donné une demi. Qu'est-ce que ça veut dire, demi? Demi, ça veut dire ou bien on travaille à droite, ou bien on travaille à gauche. Nous, on travaille à droite, donc une demi tangente. Alors, une demi-tangente, comment elle est? Elle est penchée. Pourquoi penchée? Parce qu'on a trouvé moins 1. Une demi-tangente de coefficient directeur, de coefficient directeur. Alors, de coefficient directeur, F' droite de 0 est égal à moins 1. Alors, vous allez me dire, on n'a pas compris cette phrase. Voilà, regardez qu'est-ce que je vais faire. Ce moins 1, normalement 1 sur moins 1, c'est moins 1. Mais moi, non, je vais l'écrire sous forme de moins 1 sur 1. Vous allez me dire pourquoi, regardez. Voilà le repère. Je vais prendre la couleur noire. Attendez. Voilà, la couleur noire. Regardez. Voilà le repère. Alors, vous avez x0, c'est 0. Voilà, l'image de 0, c'est 0. Donc, vous avez le point 0, 0. Alors, regardez, voilà. F de 0, regardez, F de 0 est égal à 0. Donc, la fonction passe par l'origine du repère. Vous voyez ? Maintenant, je vais mettre les couleurs. Alors, regardez, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez 1 au dénominateur et moins 1 au numérateur. S'il vous plaît, toujours, 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 vous devez avoir un numérateur et un dénominateur, tout le temps. Si vous n'avez pas de dénominateur, vous mettez 1, 1. C'est notre cas. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a? Nous, on n'a que moins 1. Mais moins 1, c'est moins 1 sur 1. Ça y est. Donc, on va écrire sous la forme de 1, moins 1 sur 1. Voilà, ça y est. Vous prenez le dénominateur. Ça y est, vous allez voir l'origine, le point 0, 0, le voilà, ça y est. Alors, vous avez 1 au dénominateur, vous allez avancer d'une gradation. Une gradation, ça veut dire un carreau, un demi-carreau, un quart de carreau, deux carreaux, ce que vous voulez. Choisissez ce que vous voulez, mais respectez la distance. C'est-à-dire, j'ai avancé, regardez ici, moi j'ai un carreau, je n'ai ni carreau, ni centimètre, ni rien du tout. Donc, moi je prends une distance, du point bleu au point rouge. Je dois respecter cette distance. Alors, si vous avez un nombre positif au numérateur, on grimpe. Si vous avez un nombre négatif, on descend. Nous, on a un nombre négatif. Et toi, exactement, c'est moins 1. Donc, je vais descendre de la même distance. Cette distance, je vais descendre. Voilà. Deux points. Je répète. Le point, je pars du point 0, 0. 0, 0, c'est le point bleu. Le voilà. Regardez, vous avancez. Ça dépend du nombre du dénominateur. Alors, on avance par rapport au nombre du dénominateur. Si le numérateur est positif, on monte. Si le numérateur est négatif, on descend. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a? On a 1 au dénominateur. Donc, voilà le point bleu. J'avance d'un carreau. Admettez. D'accord? J'ai un nombre négatif au numérateur, donc je dois descendre. Descendre de la même distance, du point bleu au point rouge. Voilà, je descends, je vois. Voilà, c'est un carreau. Ça y est. Alors, à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez le point de départ, le point d'arrivée et vous dessinez avec la règle. Voilà la demi-tangente. Vous n'avez pas le droit de dépasser, de toucher cette partie parce que le domaine, vous devez avoir x supérieur à 0. On n'a pas le droit de toucher la partie négative. Donc, voilà le point du point 0, l'origine de repère et voilà la flèche. Je répète, le point de départ, le point d'arrivée, vous prenez la règle, vous la posez sur le point bleu, le point rouge et vous dessinez la demi-tangente. Et voilà, on a gagné. Clair? Voilà, donc voilà pour la première partie.
Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, le tableau est plein. Je vous laisse bien lire, après on passe à la deuxième partie. Ça y est, alors on résume, après on passe à la dérivée. Qu'est-ce qu'on a dit? Première chose, vous avez une fonction où figure un dénominateur et une racine. Pour déterminer le domaine définition, vous devez avoir le dénominateur différent de 0 et la racine supérieure égale à 0. Donc on a trouvé le domaine, c'est 0, 1, 1 plus 9 pi. Alors, les limites, on les calcule dans, aux bornes ouvertes. Donc vous allez avoir 1 négatif, 1 positif et plus 9 pi. Clair? Alors après, j'ai trouvé racine de x moins 1. Pour enlever la racine du dénominateur, je vais multiplier par l'expression conjuguée. Après, j'ai trouvé un polynôme du premier degré. En remplaçant, j'ai trouvé un nombre sur 0, un nombre sur 0. Pour savoir si le 0 négatif ou positif, vous dressez le tableau de signe du dénominateur. Je répète, du dénominateur. 1 négatif, j'ai un moins, donc c'est un 0 négatif. 1 positif, vous avez un plus, donc c'est un 0 positif. Vous avez un nombre sur, zéro, c'est toujours l'infini. Donc, vous allez avoir ou bien plus infini ou bien moins infini selon les signes. Après, limite en plus infini, regardez, j'ai factorisé par le x ici et j'ai simplifié. On factorise par le plus haut degré, après on simplifie. Ça y est, simplifié. Alors après, dérivabilité à droite de 0. Pourquoi la dérivabilité en 0? Parce que la racine s'annule en 0 et 0 appartient au domaine. Seulement, ça va être du côté droit, pas du côté gauche. Alors, c'est quoi la dérivabilité? J'ai calculé f de x moins f de 0 sur x moins 0. D'accord? On a simplifié et on a remplacé. On a trouvé moins 1. Alors, moins 1, quand vous trouvez un nombre, vous l'appelez f moins 1 de 0. F moins f, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous trouvez un nombre, vous devez toujours avoir un numérateur sur un dénominateur. Sur un nombre. Un nombre sur un nombre. Ça y est? Le dénominateur, si vous n'avez pas de dénominateur, vous divisez par 1 tout le temps. Ça y est? Si vous avez un nombre, vous l'appelez ou bien un prime droite ou bien un prime gauche, selon ce que vous avez ici. Est-ce que vous avez à droite ou bien vous avez à gauche? Moi, j'ai 0 positif, donc ça va être droit. Ça y est? C'est quoi l'interprétation géométrique? On dit que c'est admet une demi. Pourquoi demi? Parce que ce que vous avez seulement à droite. Tangente. Tangente sont des flèches. De coefficient. Coefficient directeur. Coefficient directeur, c'est le nombre que vous avez trouvé ici. On a trouvé moins 1. Ça y est? Comme on a fait pour dessiner, on a des signes de repère. On a pris le point f de 0 est égal à 0. Le voilà. Ça y est, au dénominateur, on a 1. Regardez, on avance. Ça dépend du nombre dénominateur. On avance ici de 1. On a un numérateur négatif, je descends. Si vous avez un nombre positif, vous montez. Ça y est, donc je suis parti de 1, descends de 1. Le point de départ, le point d'arrivée, et j'ai dessiné la demi-tangente. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais passer, je vais effacer le tableau. Et après, on passera à la question suivante. Alors, je continue. Alors, s'il vous plaît, comme vous voyez, j'ai écrit le résumé. Ça y est. Et maintenant, je vais passer la partie de la dérivée. C'est les variations de f, c'est la quatrième question. Alors, quatrième question, variation. Les variations de f. Alors, c'est quoi les variations de f? Je vais calculer la dérivée, dresser le tableau de variation, et après, ce résumé que j'écris ici, je dois le poser. Vous voyez? Je dois compléter le tableau. Alors, s'il vous plaît, avant de commencer les variations de f, je vais poser je vais mettre ici les formules de dérivée. Alors, première chose. Si vous avez une constante, un nombre à quelconque, sa dérivée est 0, alors a appartient à f. Si vous avez x, sa dérivée c'est 1. S'il vous plaît, regardez, vous n'avez qu'à regarder la vidéo D1, où il y a les formules, vous avez tout un tableau de formules. Si vous avez racine de x, c'est quoi sa dérivée? Sa dérivée c'est 1 sur 2 fois racine de x. Ça y est, si pour ceux qui n'ont pas compris d'où viennent ces formules, normalement on les a étudiées l'année dernière en première, c'est-à-dire en première science maths, en première science ex et en première économie. Et cette année, normalement, vous connaissez ces formules. Mais pour les rappels, je vous ai dit, regardez la vidéo niveau D1, où on parle que de la dérivabilité et des formules des fonctions dérivées. Qu'est-ce qui reste? Oui, vous avez un rapport, c'est la forme U sur V. Alors, la dérivée de U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout ce que vous avez comme formule. On va utiliser, voilà, c'est tout. Voilà, donc ici, voilà le résumé des formules de fonctions dérivées que je vais utiliser. Ça y est, alors je passe. Vous avez F' de X.
À quoi est θ? C'est égal à x sur racine de x moins 1, le tout prime. D'accord? Tout prime. C'est quoi ça? Ça, c'est u sur v prime. C'est la même chose. C'est u prime v moins uv prime sur v carré. Donc ça donne u, c'est x prime. Regardez. C'est u prime fois v. V, c'est le dénominateur, racine de x moins 1. Moins, vous avez ainsi moins ici, moins u. U, c'est x. Multiplié par v prime. Non, je vais un petit peu. Je ne dois pas dépasser les limites. Donc je vais effacer et refaire tout ça. Vous voyez, alors, je refais tout ça, qu'est-ce que j'obtiens? Je répète, donc vous avez f' de x est égal, on a dit x sur racine de x moins 1, le tout prime. C'est d'accord? Alors, est égal à dérivé du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur prime sur le dénominateur au carré, racine de x moins 1, le tout au carré. Il suffit seulement d'appliquer les formules et comme ça, vous pouvez arriver à trouver f'. Je continue. Vous avez le trait de la fraction. Ici, suivez ma main, il n'y a pas de dérivée. Donc, j'écris racine de x moins 1, le tout au carré. Bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai x'. X', c'est 1. Donc, je remplace x' par 1. Je mets les parenthèses. Si vous allez voir, a racine de x moins 1. Il y a le moins x, parenthèse. À quoi est égal dérivée de racine de x? Racine de x, c'est 1 sur 2 fois racine. Donc, vous allez avoir 1 sur 2 fois racine de x. Okay? Moins 1, une constante, on a dit c'est 0. Moins 0. Et 1. Donc, j'ai appliqué les formules. Okay? Je continue. Qu'est-ce que j'obtiens? Vous allez avoir ici racine de x, moins 1 au carré. Ce x, je ne vais pas toucher. Le moins 1 aussi. Voyez, pour le moment. Ici, vous avez une racine. Ici, c'est 0. Donc, le 0 va disparaître. Il y a, vous avez un signe moins ici, vous avez le x, ici vous avez une racine. Donc je peux écrire x, regardez. Vous avez x sur égal à 0, ceci implique que x, je peux l'écrire sous forme de racine de x par racine de x. C'est ce que je vais faire. Vous voyez, racine de x. Voilà, racine de x, voilà. Ça va ? Racine de x par racine de x. Voilà. Donc je vais enlever ce x, celui-là, le remplacer par racine de x. Par racine de x, voilà, clair. Ici, vous allez avoir 1 sur 2 racines de x. Et voilà, ça va. Il faut remarquer qu'on peut simplifier cette racine avec celle-ci. Et voilà, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui va rester? L'avant-dernière ligne implique le f' de x est égal. Écrivez d'abord le dénominateur. C'est quelque chose de positif. On n'a pas de problème avec le dénominateur. Clair. Qu'est-ce qui va rester au numérateur? Il va rester racine de x moins 1. Et ici, vous allez avoir moins racine de x sur 2. N'oubliez pas le 2. Moins racine de x sur 2. Et voilà le résultat. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Réduire au même dénominateur. Moi, je parle de la partie supérieure. Réduire, vous allez avoir 2 racines de x. Vous allez avoir moins 2. Vous allez avoir moins racine de x sur 2. Sur racine. Après, je vais vous montrer comment on réduit au même dénominateur d'une manière très très rapide. Ça y est, après qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire descendre le 2, c'est la dernière ligne, ça y est, j'ai terminé. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez 2 racines de x moins racine de x qui va rester une seule racine de x. Vous allez avoir ici moins 2. Le 2 va descendre au dénominateur et il va rester racine de x moins 1, le tout carré. Et voilà, c'est la fin. Je ne peux plus avancer. Voilà, c'est terminé. Claire? Alors, première étape, calcul de dérivée. Donc ça, première étape. Écoutez bien. Deuxième étape. Deuxième étape, c'est le signe de la dérivée. Comme est-ce qu'il s'agit d'une dérivée positive, négative, ou bien elle s'annule. Bon. Alors moi, je trouve que le dénominateur est positif. Donc, je n'ai pas de problème avec le dénominateur. Mais au numérateur, j'ai un petit problème. Il y a un signe moins. Le 2 positif, racine de x positif, mais entre les deux, il y a un signe moins. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, ça ne m'arrange pas. Puisque vous avez seulement racine de x, je peux multiplier par l'expression conjuguée. Et comme ça, on n'aura plus de problème avec l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre cette dérivée ici. Voilà, je vais multiplier ce terme. Regardez, j'ai changé même de couleur. Je vais multiplier par racine de x plus 2 exprès. Ça y est, ici, par racine de x plus 2. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on a fait ça? Voilà, vous allez voir pourquoi. Il faut encadrer en rouge. Allez, il y a des élèves qui ne vont pas faire ça, mais si vous faites cette méthode,
Essayez, s'il vous plaît, de ne pas oublier ce que je suis en train de dire. Vous allez rendre la dérivée très simple. Regardez. Vous allez avoir le 2 au dénominateur. Positif. Racine de x moins 1 au carré. Positif. Racine de x plus 2. Positif. Et le numérateur, c'est la forme de a moins b facteur de a plus b. Tout simplement, c'est une identité. Vous êtes d'accord? Donc, je vais l'écrire. Ici, vous allez avoir la forme de a moins b facteur de a plus b. Et c'est quoi a moins b facteur de a plus b? C'est a carré moins b carré. Donc, a carré, vous allez avoir racine de x au carré, moins 2 au carré, ça va être un 4. Ça va être un 4. Et voilà, regardez l'expression finale de la dérivée. Mieux que la première. Vous allez voir, regardez, je vais écrire même en rouge, f prime de x, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester x moins 4, parce que la racine a disparu, ici un 4, et le dénominateur, je vais écrire en noir. Je n'en ai pas besoin parce que c'est quelque chose de positif, n'a aucune influence, je répète, aucune influence, ou bien écrire en noir, sur le signe de la dérivée. Je répète, sur le signe de la dérivée positif. Racine de x moins 1, positif. Racine de x plus 2, positif. Donc, la conclusion, il faut l'écrire noir sur blanc. Je répète, regardez. Obligatoirement, vous devez écrire cette phrase. Vous allez écrire le signe de f' dépend de quoi? C'est pour ça que j'ai multiplié par l'expression conjuguée. Dépend du signe. Du signe de quoi? Du signe de quoi? Positif. Donc on n'a pas de problème avec les dénominateurs, mais on a un problème avec le numérateur. Donc dépend du signe de x moins 4. Et voilà. Si x moins 4 est positif, f' positif. Si x moins 4 négatif, f' négatif. X moins 4 s'annule, la dérivée s'annule aussi. Ça y est, et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser un tout petit tableau de x moins 4. Un tout petit. Regardez, vous avez x moins 4, elle s'annule en 4. Ça y est, et c'est quoi le signe de A? Le signe de A, c'est positif, c'est le même tableau comme tout à l'heure, on l'avait tout à l'heure, x moins 1. Vous avez 1, donc le signe contraire de A, ici vous avez le signe de A. Et point. Ça y est, maintenant qu'est-ce que vous allez faire? On va faire une synthèse. Quelle synthèse? Regardez, vous allez dresser le tableau, c'est-à-dire la conclusion, parce que c'est quoi la question? Étudier les variations. C'est quoi les variations? Calculer la dérivée, déterminer le signe de la dérivée, après le résultat de variation. Alors regardez, c'est un résumé final de l'étude de fonction de f. Alors vous avez ici f' de x, vous avez la fonction, ça y est, je vais écrire ça en rouge. En rouge, attendez, la dérivée en rouge, voilà, la dérivée en rouge, f' de x, ça va? La fonction, je vais écrire en bleu. F, voilà, et les autres en noir. Ici, x, c'est quoi le domaine? Le domaine commence à partir de 0. Vous vous rappelez, 0 jusqu'à 1. Et après, plus qu'un b. Alors maintenant, je vais remplir le tableau. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a? Le 1 n'appartient pas au domaine de définition. Le 1 n'appartient pas. Puisque le 1 n'appartient pas, donc vous allez avoir 2 barres. 2 barres pour le correcteur. On voit 2 barres. Dans le tableau de variation d'une fonction, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la fonction, au domaine de f. Voilà, vous allez avoir ici deux barres parallèles. Claire? Voilà, première partie. Deuxième partie. On va voir quand est-ce la dérivée s'annule. La dérivée s'annule une fois en 4. Donc vous placez le 4. Où se trouve le 4? Le 4, il est plus grand que 1. Donc le 4 se trouve ici, ce 4, celui-là. Donc le 4, voilà. Ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Le signe de f' dépend de x moins 4. Donc x moins 4 s'annule en 4. Voilà le 0. Elle s'annule en 4. Pour les noms plus petits que 4, vous avez un signe négatif. Donc ici, vous allez avoir que des signes négatifs. Voilà. Ça y est. Vous allez me dire, et les deux barres n'ont aucune influence sur le signe de la dérivée. Ces deux barres montrent que ce nom n'appartient pas au domaine. Tout simplement. Aucune influence sur les signes. Au-delà de 4, vous n'avez que des plus. Voilà. Et au point 4, vous avez un 0. Ça y est, donc je vais écrire correctement. Voilà, vous avez un 0, c'est-à-dire la dérivée s'annule, tout simplement. Donc vous avez un 0 en 4,
Moins de 4, vous avez négatif et au-delà de 4, vous avez positif. Seulement, j'ai un problème en 0. En 0, en 0. Voilà, on avait trouvé F plus droite en 0, c'est moins 1. Donc maintenant, il faut écrire ici moins 1. Vous écrivez moins 1. Toujours, ce que vous avez trouvé en dérivabilité, n'importe quel point, vous devez le placer sur le tableau. Donc, S alimente 4. En 0, on a moins 1, d'accord? La dérivée moins de 4 négatif, on a de 4 positif. Ça y est? Et c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à déterminer la monotonie de F. C'est quoi la monotonie de F? Regardez, vous avez un signe négatif. Un signe négatif, c'est-à-dire la fonction est décroissante. Ici, décroissante. Au-delà de 4, elle est positive, donc elle est croissante. Donc, je répète, une fonction, F prime. Négatif, ça veut dire F est croissant. F' positif, ça veut dire F est croissant. Ça y est, et voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste une seule chose. Quoi? Ce sont les limites. Vous avez compris pourquoi j'ai écrit ce résumé sur le côté? Pour pouvoir remplir le tableau de variation de la fonction. Alors maintenant, les limites. Les limites, un moins. Un moins, c'est-à-dire à gauche de 1. On a trouvé moins l'infini. Voilà le 1. À gauche de 1, c'est cette partie, donc on a trouvé moins l'infini. Pour le 1 à droite, 1 plus, c'est ça. On a trouvé plus l'infini. Voilà, plus l'infini. Quoi d'autre? Plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Le 0 appartient au domaine. Tout à l'heure, on avait calculé f de 0, on avait trouvé 0. Maintenant, il ne reste que f de 4. Je vais calculer f de 4. Je ne sais pas quoi c'est égal f de 4. Vous voyez? Donc, je vais la calculer, cette valeur. Alors, f de 4. Vous allez avoir 4 sur racine de 4 moins 1. Vous allez avoir 4, racine de 4 c'est 2, vous allez avoir 2 moins 1, donc ceci est égal à 4. Voilà, parce que 2 moins 1 c'est 1. Ça y est, donc j'enlève le point d'interrogation et je mets en 4. Alors maintenant vous avez compris pourquoi j'ai écrit ce résumé pour pouvoir remplir le tableau de variation. Claire? Voilà, donc maintenant je vous laisse regarder, après on passe à la dernière partie. Ah, je dois effacer le tableau parce que j'ai besoin de place. Je vais regarder, après je reste là. Allez, on continue, s'il vous plaît, regardez. J'ai encore pris le tableau parce que je vais en avoir besoin, ça y est. Donc j'ai pris le tableau de variation. Et maintenant, je vais passer pour gagner de l'espace et le temps. Vous avez 5. La cinquième question, j'ai la restriction. C'est quoi la restriction? La restriction d'une fonction par rapport à l'intervalle. J'ai, c'est la restriction de f. Alors, j'ai, où est la phrase? Restriction de f, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, regardez, voilà f et voilà g. Elles sont égales. G et f, seulement sur l'intervalle 0, 1. C'est ça ce que veut dire la restriction. J'ai la restriction de f par rapport à l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire, f de x est égal à g de x seulement sur cet intervalle. Voilà. Ça y est, c'est ça ce que veut dire la restriction. Alors, je passe à la question numéro 5. Alors, soit... J'ai la restriction de f par rapport à l'intervalle 0, 1. Alors, on écrit, regardez, g égale, vous mettez f, slash, et vous écrivez 0, 1. C'est ça ce que ça veut dire, une restriction. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire équivalent, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, vous allez avoir g de x est égal à f de x. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire, la restriction. Ça y est? Alors la question maintenant, montrer que g est admis une fonction réciproque g moins 1. C'est-à-dire, si je parle de g, je parle en même temps de la fonction f. Si f est continue, g continue. Si f a une fonction réciproque, g a une fonction réciproque. La même chose, parce que g est égal à f. Vous avez une mécanique. Ça va? Alors, on va parler de, qu'est-ce qu'on a dit? A une fonction réciproque. On commence par la continuité. Alors, continuité. On détaille. Regardez la fonction f. Il y a le numérateur, le dénominateur. Ça y est? Alors, je commence. Comme si je construis quelque chose. Alors, x. On fait correspondre une fonction à x, on fait correspondre x est une fonction. Alors, est une fonction. Fonction polynôme. Polynôme continue.
Continue. Nous, on travaille sur R+. Continue sur... qu'est-ce qu'on a dit? Sur D2F. Oui, normalement, polynôme, elle continue sur R+. On n'a pas de, sur R normalement. Mais nous, on travaille avec des racines. Ça y est. Donc, fonction polynôme continue sur R. Allez, continue sur R. Sur R. Donc, continue. Pardon. Alors, si elle est continue sur le grand tensor, si elle est continue sur le grand tensor, elle est continue sur le petit. Alors, continue. Continue sur le petit. Le petit, c'est 0. Et voilà. Claire, je continue. Maintenant, la deuxième fonction. La première. La deuxième, je vais parler maintenant de racine. La fonction x flèche, racine de x. Ça, c'est racine d'une fonction. Continue. Continue sur 0, 1. Donc, continue sur 0. Voilà. Ça y est, qu'est-ce qu'il manque? Il faut retrancher 1. Alors, à fonction x, on fait correspondre. Racine de x moins 1. C'est maintenant j'ai terminé avec le dénominateur. On ne dit pas différence, on dit somme toujours. Parce que c'est quoi ça? C'est la forme racine de x plus moins 1. Vous voyez, ça c'est somme de fonction continue. Alors continue sur l'intervalle 0, 1. Donc, allez, continue. Continue sur 0. Continue sur 0. Et il reste maintenant la fin, c'est la dernière phrase. Donc, f à x, on fait correspondre x sur racine de x moins 1. Et alors, f est rapport de deux fonctions continue sur 0, 1. Donc, c'est la fin. Donc f est continue. Voilà, continue sur 0, 1. Et puisque f est continue dans 0, 1, et par conséquent, ça y est, c'est la fin de la phrase, par conséquent. Parce que f c'est g, conséquent, g est continue. Continue sur 0. Voilà, j'ai terminé avec la continuité. Maintenant, qu'est-ce qui va rester? Maintenant, on va parler de la monotonie. Alors, ça y est, c'est fini la continuité. Maintenant, on va passer à la monotonie. Regardez sur l'intervalle 0, 1. L'intervalle 0, 1, vous avez f et continue strictement décroissant. Donc, g aussi. Alors, sur l'intervalle 0, 1 ouvert parce que 1 n'appartient pas au domaine. Alors, l'intervalle 0, 1, on a f et continue strictement décroissante. Donc g est aussi continue strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et par conséquent, j'ai un deux fonctions ici. Par conséquent, j'ai admis une fonction réciproque g moins 1 définie sur J. C'est quoi J? J, c'est G de I. Et c'est quoi G de I? C'est F de I, parce que G est égal à I. Et c'est quoi F de I? Regardez le tableau.
L'intervalle 0, 1, vous appuyez moins 2, 0, c'est 0. Éliminant 1 à gauche, c'est moins l'infini. Donc attention, quand elle est décroissante, écoutez bien, décroissante, je commence par la partie du bas vers le haut. Donc J, ça va être de moins l'infini, 0. Ce n'est pas 0 moins l'infini, attention. Quand elle est décroissante, la partie qui est en bas vers la partie qui est en haut. Donc ça va être de moins l'infini jusqu'à 0 fermé. Et voilà, la détermination de l'intervalle. Ça y est. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Ça y est, on va terminer avec la partie A. Maintenant, B et C. Maintenant, qu'elle lui demande de calculer G de 1 quart. Alors, G de 1 quart, c'est la partie B. Question B. On calcule G de 1 quart. C'est quoi G de 1 quart? G de 1 quart, c'est F de 1 quart. Parce qu'on a dit F est égal à G. Remplacez dans la fonction. Vous allez avoir 1 quart au numérateur. Vous allez avoir racine de 1 quart au dénominateur. Et vous allez avoir ici moins 1. Alors, faites les calculs. Donc, g de 1 quart est égal. 1 quart, ça va. Voilà. Racine de 1 quart, c'est 1 demi moins 1. Alors, 1 demi moins 1, ça donne, voilà, on va avoir 1 quart. Et 1 demi moins 1, ça donne moins 1 demi. Et voilà. Voilà. Donc, la conclusion, à quoi est égal g de 1 quart? G de 1 quart, simplifié par 2, il va rester moins 1 demi. Et voilà le résultat. Voilà. Ça y est, donc, ils ont demandé, calculer g de 1 quart et g prime de 1 quart. Ça y est, auquel. J'ai commis un petit problème parce que j'ai effacé la dérivée. Donc, juste pour calculer G plus de 1 quart, j'ai effacé la dérivée. Donc, je dois calculer la dérivée une deuxième fois. Ça y est. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, calculer la dérivée avec une grande vitesse, s'il vous plaît. Je vais calculer la dérivée. J'ai effacé, normalement, je ne devais pas l'effacer. Parce que j'ai besoin de calculer G prime. Ça y est. Alors, on a G prime de 1 quart. G prime de 1 quart est égal à, F prime de 1 quart. Ça y est. Voilà. Ça y est. Donc, je vais calculer F prime de 1 quart. Je vais calculer la dérivée avec une grande vitesse et remplacer le X par 1 quart. Ça y est. Alors, je commence. Voilà. Donc, vous avez. Voilà. Je vais faire des calculs. Alors, voilà. J'ai refait des calculs. Vous avez F prime de X égale X moins 4. Vous avez f prime de x et g prime de x, c'est la même chose. Donc je vais remplacer x par 1 quart. Donc vous allez avoir ceci implique g prime de 1 quart est égal. Alors remplacer chaque x par 1 quart. Vous allez trouver ici 1 quart moins 4 sur. Vous allez avoir ici 1, 2. Racine 1 quart moins 1 au carré. Et il va rester ici, racine de 1 quart, plus 2. Et voilà. Alors, regardez bien. Regardez comment on va essayer pour effectuer ces calculs. J'ai remplacé le x par 1 quart. Alors, comment ces calculs? Vous avez 1 quart. 1 quart moins 4, ça donne combien? Ça donne 1 moins 16. Ça y est? Sur 4. Ici, vous allez avoir 1, 2. Vous avez racine de 1 quart, c'est 1 demi, moins 1, tout carré. Racine de 1 quart, c'est 1 demi, plus 2. Et voilà, ça y est. Alors, on continue le calcul. Vous allez avoir 15, moins 15, moins 15 sur 4. Ici, 1 demi moins 1, ça, il va rester 1 demi. Ici, il va rester moins 1 demi au carré, ça, 1 quart. Donc, vous allez avoir 2. Vous allez avoir 1 quart. 1 quart plus 2, ça donne 9 quarts. Fois 9 quarts. Et voilà, ça y est, dans les simplifications, ce 4 va disparaître avec ce 4, ça va, il va rester, voilà c'est la fin, il va rester moins 15 au numérateur, et ici vous allez avoir 2 avec 4, il va y avoir une simplification, il va rester ici 1, 2, je crois que c'est ça, il va rester 1, 2, on va faire monter le 2 au numérateur, donc ici on va avoir moins 30 sur 9, moins 39, je ne sais pas, je crois que je ne suis pas trompée. Essayez de refaire les calculs parce que moi je déteste faire des calculs. Alors 1 quart moins 4, ça donne moins 1 moins 16, ça fait moins 15 quarts. Voilà, le dénominateur, vous allez avoir un 2, racine 1 quart c'est 1 demi, 1 demi moins 1 c'est moins 1 demi, au carré c'est 1 quart. Et 1 quart c'est. Voilà, je me suis trompée ici. Ah, il y a une petite erreur. Racine 1 quart c'est 1 demi. Voilà, attention, il y a une racine ici. 1 demi, donc ça c'est faux, c'est pas. Ici vous allez avoir 5 quarts. Il y a une simplification. Je répète les calculs.
Voilà. Donc, moi, je déteste faire ça, je suis obligée. Donc, vous avez 1 moins, vous allez obtenir moins 15 sur 1. Vous êtes d'accord? Pour le numérateur, ici, vous allez avoir un 2. Ici, vous allez avoir un quart. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi au carré, c'est un quart. Ici, 2 et 1, ça fait 5. Ça fait 5 demi. Et voilà. Je crois que c'est ça. 5 demi. Et voilà les simplifications. 2 avec le 2, le 4 avec le 4 et le 15 avec le 5. Donc, il va rester moins 3. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Regardez, moins 15 avec 5, ça fait moins 3. Le 4 avec le 4, le 2 avec le 2, moins 3. Et voilà, on a gagné. Voilà, donc vous allez avoir, j'ai pris le 1/4 est égal à moins 3. C'est terminé. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dernière question. Ça y est. Alors, je n'ai pas assez de place pour terminer, pour faire la dernière question. Je vais se regarder, après, on passe à la dernière question. Bien sûr, je vais effacer. Ou bien, je vais passer l'énoncé, j'en ai plus besoin. Ça y est, c'est terminé. Je vais passer l'énoncé. Ça y est? Alors, regardez. Pour la dernière question, écoutez bien, pour la dernière question. Quand vous voulez montrer que g-1 est dérivable en un point, il me faut deux choses. Je vais écrire ça en rouge parce que c'est du cours. Alors, pour la question C, regardez, la question C. Vous voulez montrer que g-1 est dérivable en x-1. Il vous faut deux choses. C'est quoi la première? La première, vous devez avoir g dérivable. Alors, dérivable, attendez, je vais changer de marqueur. Alors, g dérivable, voilà. Je vais changer parce que celui-là ne marche pas, pas dans l'autre. Alors, première, il y a deux points. Voilà, le premier, g doit être et dérivable. Alors, j'écris le mot, dérivable. Dérivable en, ou bien j'écris un S, un F, ça j'ai mis en. F doit être dérivable en x0, ça y est. Deuxième point, vous devez avoir f' de x0, différence de 0. Si vous avez ces deux points, ceci implique que f-1 est dérivable en f de x0. Donc ici, vous allez avoir f-1 est dérivable en f de x0. Ça, c'est du coup. Yeah. Maintenant, on va passer à l'exercice. Seulement, g, c'est f. Ça y est. Alors, on a déjà trouvé que f est dérivable. Ça y est. L'image de 1 quart, on a trouvé g de 1 quart. G de 1 quart, c'est quoi? G de 1 quart, voilà. G de 1 quart, c'est moins 1 demi. Ah, voilà, regarde. G de 1 quart. Ça y est. Alors, je vais écrire les détails. Vous avez x0 est égal à 1 quart. Je répète, on travaille dans la question C. Ça y est, ça c'est du cours. Ça c'est du cours. Maintenant, je commence à rédiger. x0 est égal à 1 quart. Vous avez g de 1 quart. On a trouvé moins 1 demi. Et on a calculé g prime de 1 quart. G prime de 1 quart, on a trouvé combien? Voilà, là-bas, regardez. La dernière ligne est égale à moins 3. Égale à moins 3. Ça y est, alors maintenant, je commence. La question, c'est calculer g moins 1 prime. Voilà. La question, montrer que g moins 1 est dérivé au moins 1 demi. Ça y est, alors je commence. C'est quoi moins 1 demi? Moins 1 demi, c'est l'image de 1 quart. Vous êtes d'accord? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, f est dérivable en x0. F prime en x0, différence 0. Donc f moins 1 est dérivé en f de x0. Mais je ne dis pas en x0, en f de x0. F, l'image, F de X. Ça y est. Alors, maintenant, ça y est, je peux effacer l'énoncé et on peut terminer. Ça y est, c'est suffisant. C'est suffisant. Regardez, on a, je commence, on a. Alors, on a F. Alors, on a F et dérivable. Dérivable en 1 quart. Ceci implique que G est dérivable. G est dérivable, c'est le premier point. Là, c'est le premier point. Vous voyez? Donc, G est dérivable, premier point, dérivable en x0. Alors, x0 égale à 1 quart, en x0 est égal à 1 quart. Ça va? Très bien. Ça, première ligne. Deuxième point, il faut que f' de x0 est différent de 0. Deuxième point, vous avez f'. F' de 1 quart. De 1 quart. Alors, on a calculé, on trouve moins 3. F' de 1 quart est différent de 0. Ceci implique que g' de 1 quart est aussi différent de 0. Voilà le deuxième point. Donc, si f est dérivable, f est différent de 0, donc f moins 1 est dérivable en f de x0. Donc, la conclusion,
Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, j'ai pris un cardinal 0 et par conséquent, donc j'ai moins 1 et dérivable en f, de, dérivable en g, parce que je travaille avec mon g, en g de x0. x0, g de 1 quart. Et g de 1 quart égale à moins 1 demi. Voilà. Vous avez vu, on a déjà calculé g de 1 quart. Voilà, dérivable en f de x0. Donc, elle va être dérivable en g de x0. Ça y est, maintenant j'ai terminé la question C, maintenant la question D. La question D, qu'est-ce qu'il demande? Regardez, ça c'est une formule, je vais écrire en rouge. Quand vous avez f moins 1 prime de f de x0, je dis f de x0, vous écrivez 1 sur f prime en x0. C'est une formule. Voilà. Je répète, f moins 1 prime de f de x0 est égal à 1 sur f prime en x0. J'applique le cours, regardez. Eux, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné g moins 1 prime de moins 1 demi. C'est d'accord. Mais attention, le cours, non, il dit f, une image. Donc, je remplace le moins 1 demi par g de 1 quart. Donc, vous allez avoir g moins 1 prime de g de 1 quart. Voilà, on a formé le cours. Regardez. G moins 1, f moins 1 prime. Voilà, f, g, x, o, c'est 1 quart. Alors, si vous avez ça, vous allez le remplacer par 1 sur g prime en 1 quart. Parce que c'est quoi ici de x0? x0 ici, regardez, x0 est égal à 1 quart. Voilà, donc x0, vous le remplacez par 1 quart et à côté égal g prime en x0, c'est moins 3. Voilà, j'ai terminé. Voilà, il est égal à 1 sur moins 1, qui est égal à moins 1 tiers. Voilà, c'est tout. Donc, il est égal à 1 sur moins 3. Est égal à moins 1 sur 3, et c'est terminé. Voilà, j'ai terminé. Je répète. Si on vous donne g moins 1 prime ou bien f moins 1 prime, ben non. Ce nombre, c'est une image. Je répète, c'est une image. C'est f de quelque chose ou bien g de quelque chose. Donc, moins 1 demi, c'est g de 1 quart. C'est pour ça qu'ils ont demandé de calculer g de 1 quart. Donc, c'est g de 1 quart. Une fois que vous trouvez ce qu'on appelle l'abscisse, c'est-à-dire le x0. x0 ici, vous avez un quart, ça y est, regardez. Une fois que vous trouvez le x0 qui est un quart, le voilà, oui la formule. Voilà, regardez f de x0. Une fois que vous trouvez le x0, ça y est, voilà, ça y est, vous prenez la dérivée et vous enlevez le x, voilà, et vous le remplacez par x0. Et vous avez le résultat. Voilà, donc vous allez avoir ici x0, vous allez le remplacer par 1 quart, vous allez prendre la dérivée, voilà, de g, et vous allez écrire 1 quart. On a déjà calculé le voilà le nombre, ça y est, on a trouvé tout à l'heure, c'était 1, c'était moins 3, et voilà, ça donne 1 sur moins 3, et ça donne moins 1 tiers pour le résultat final. Et voilà, j'ai terminé la fonction. Alors, vous avez intérêt à la revoir, essayez de bien écouter, de prendre des notes, et après, on passera, inchallah, à la deuxième fonction. Allez, à tout à l'heure.